trouver dans le milieu et aïe. Sam Naïki, parce que je suis, bon, nous sommes partis de quelque part de loin, parce que en tant qu'humain, nous sommes animés d'un aspect de recherche. Donc fouiller, manquer les mots, trouver le quota, Babissi Camille. Je rentre par ici le bouddhisme, la kabbale, le tantra yoga, la magie énochéenne. Vraiment, mes côtes amis, coussons ça. Mais je sentais que mon âme n'était jamais assouvie. Et voilà que dans mon milieu spirituel, on médite toujours, on va recherche. Et ma femme était restée, naïve, ne faisant rien. Et la carte de recherche, rien dit. Elle s'est dit, non, mais au lieu que ce soit à la maison, il faut me prendre à côté car tu es dans la zone. Je vous amène à comprendre qu'est-ce qui a fait que Beto se retrouvait dans le milieu et et voilà que Beto est la Vindoulou et pourtant, il y a plein de marchés, hein, mais elle n'a pas voulu avoir une place dans un baptistère, dans un Yampikou, n'a pas avancé. Elle va trouver une place où, dans un où il y a foi. Et la foi qu'on a, moi ça me chagrinait. Je dis, mais c'est pas possible. Mais tu pars de loin pour le marché foi. Et tu ne vois même pas bien. Sur place, c'est bien sur place. Oh non, vraiment, tu sais, tala. Ok, vous les femmes, restez là où vous êtes. Dans ma spiritualité, il y a un des spiritualité marché. Quand elle rentre à la maison, non, s'il te plaît. Mon mère rencontre un jour dans la salle, nous pouvons discuter de spiritualité mingi. Je dis, c'est qui? Oh non, on l'appelle Serge comme toi. Ok, mais c'est bien. Non, regardez par exemple la hache. Il y a un monsieur qui a voulu tal. Ah bon? N'a pas pour cette astuce. Elle m'a pas de conseil, mais tanga. Ah, c'est ça. Ok, ça reste là-bas. Toujours être à ma recherche. Là où je vais, on enseigne, je sens que ce n'est pas trop ça. On avance. Après une fois, non, on dirait éveil. Non. Mettant pour ce que tu sais, maître Méni, mon métal là, maître Beto. On était un dimanche. Une cérémonie, mais au maître j'ai à dire, oh oui, allons-y, raconte. Mais sinon, mais on m'a parlé d'un monsieur là, d'un maître qui est à Vungu. Il a construit l'arche, il est resté dans la maison pendant 19 ans, il ne sort pas, et voilà qu'il fait des merveilles. On dit qu'il a la mission. Qu'est-ce que tu dis, maître? Ah, oh, à Vungu, ouais. Vungu, 19 ans, oui. Il me dit ceci. Je sais que il y a un grand roi qui est né au Congo. Il y a un homme qui a la mission qui est au Congo par sa vie. Si vous voyez ces grands mouvements politiques là, on est à sa recherche. Il faut l'éteindre. Mais à ce que je sache, le monde spirituel connaît que l'étoile va naître au Congo. Donc l'étoile du salut partira du Congo Brazzaville. Mais le monsieur sera à Brazzaville. Puis viendra à Pointe-Noire. C'est un refuge à Pointe-Noire. Si c'est réellement lui, il doit être autour de cet âge. Comment on l'appelle? Ma femme dit, oui, Naïva. C'est lui, on dirait. Oui, c'est lui. Je dis, mais maître, mais comment faire pour le reconnaître? Il faut qu'il y ait des signes. Et on nous a dit, mais c'est pas compliqué. Maintenant, le...